C'est exactement ce que ça veut dire. On parle ici de la, du changement de la structure, autant de changement de la compression. À cause que la structure a baissé aussi, le poids a baissé, le poids du moteur a baissé. La transmission est automatique, mais un mouvement plus rapide vite qu'une transmission manuelle. Puis aussi, ils ont vraiment travaillé les points de sécurité, les points d'impact sur la voiture. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Avec les moteurs à combustion interne d'aujourd'hui, on perd de 70 à 80% de l'énergie. À ralentir, c'est vraiment...